tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to School. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de ma prise de notes à l'iPad. Donc, je vous ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet-là. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos Back to School de l'année dernière pour tout ce qui est iPad, faire des schémas. Je vous ai fait vraiment beaucoup de vidéos complètes sur l'iPad, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait aussi une vidéo concernant ma prise de notes, comment je prenais les cours, etc. Et là, en fait, c'est la version 2.0, entre guillemets. J'ai toujours les mêmes bases, j'utilise tout le temps l'iPad, GoodNotes, pareil. J'ai ajouté d'autres petites choses à mes cours pour les rendre un peu plus beaux visuellement et aussi beaucoup plus pratiques. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces. Alors moi j'ai l'iPad Pro 12.9 M1, c'est l'un des derniers, avec la protection de chez Paperlike qui est vraiment très très bien. Déjà rien que pour l'écriture, parce que comme ça quand tu écris ça ne colle pas. C'est comme si tu écrivais en fait sur un cahier. J'ai le lien en barre d'infos, enfin j'ai tout en barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder. Vous avez une promotion et tout si vous voulez commander. Alors les applications que j'utilise qui sont vraiment très très bien pour la prise de notes, c'est donc GoodNotes 5, donc je vais pas vous en parler, mais c'est l'une des meilleures. Il y a aussi Notability, mais je vous conseille plus GoodNotes 5 qui est vraiment bien. C'est une application payante, ça coûte 8 euros. Franchement ça les vaut, c'est très très bien, c'est très pratique, tu peux faire des to-do list, tu peux faire des planners. J'utilise aussi Studio. Studio c'est pour tout ce qui est titres, etc. Moi j'utilise beaucoup pour ça, que j'incorpore dans mes cours. Je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus joli visuellement que si c'était moi qui l'avais écrit. Donc à chaque fois on me demande, mais c'est l'application Studio. N'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. C'est vraiment très très bien, moi je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je vous le conseille vivement. Donc il suffit juste de créer un nouveau projet, de mettre le fond en transparent, vous pouvez faire n'importe quelle écriture, vous l'enregistrez en tant qu'image, vous l'incorporez ensuite dans votre cours, vous recadrez et hop! Où est mon cœur? Et hop, après vous avez un super beau titre, donc ça c'est vraiment trop trop cool. Sinon vous avez l'application iFont, c'est une nouvelle application que je viens de découvrir, c'est pour incorporer directement des écritures, de la calligraphie dans GoodNotes 5, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai rajouté Dancing, je crois que c'est Script, ouais c'est ça. Donc je l'ai rajouté, c'était assez joli je trouve, mais je pense que je vais en rajouter un petit peu plus. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal sur GoodNotes à écrire avec la zone texte. Vu que j'utilise pas tout le temps mon clavier, j'ai un petit peu du mal. C'est pour ça que j'utilise ce studio qui est beaucoup plus simple pour moi, je trouve. Mais sinon, vous avez iPhone, donc c'est très simple en utilisation. Vous téléchargez, vous l'incorporez. Franchement, c'est très facile de le faire. Ensuite, donc pour mon organisation, j'utilise Studio pour les titres. Et je varie en fait en fonction des thèmes. Si je veux écrire chapitre 1, bah c'est telle calligraphie. Si je veux écrire la partie 1, c'est une autre calligraphie. Si je veux écrire des sous-parties, bah c'est une autre calligraphie aussi. Donc j'essaye de varier les calligraphies pour que ça soit un peu plus joli visuellement. J'aime bien aussi utiliser des titres blancs pour pouvoir avoir un espèce de petit contraste. Donc par exemple, vous mettez du surlignage foncé et vous mettez le texte par-dessus, ça fait un titre assez joli je trouve. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup beaucoup ça. Ensuite, nous avons les stickers. Les stickers, j'en ai téléchargé plein avec Stationery Pal. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ils vendent en fait des stickers, des planners, etc. à des prix vraiment totalement dérisoires, entre 1€ et 2€ grand max. Donc moi je les ai tous téléchargés, je les ai tous pris. Et je les ai incorporés dans l'onglet stickers, je les ai classifiés, etc. Ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris une demi-heure, trois quarts d'heure à faire quand même. Mais franchement, je vous conseille les stickers, ça permet d'agrémenter un petit peu plus le cours. Par exemple, il y a des post-it. S'il faut que je refasse un truc dans mon cours, qu'il faut que je rajoute un truc que j'ai oublié, etc. Par exemple, pour voir la partie 1, bah hop, je fais un petit encadré, un petit post-it et j'écris dessus, voilà, chose à faire, revoir la partie 1, etc. Rajouter tel schéma de telle page. Donc voilà, je mets sur un post-it, comme ça je le vois bien, parce qu'avant sans les post-it, bah, je notais comme ça, mais j'oubliais, je captais pas, donc là je vois dès qu'il y a un post-it, c'est qu'il y a quelque chose à faire dans mon cours. Et sinon, pour les définitions, je mettais ça aussi dans des post-it. Enfin à l'époque, j'avais pas les stickers post-it, j'avais juste des carrés bleus, carrés gris, etc. Donc j'écrivais dedans, mais là j'ai vraiment des styles post-it, des styles notes, etc. Donc c'est beaucoup plus simple d'organiser son cours et que ça soit un peu plus beau visuellement, puisqu'il y a les post-it de toutes les couleurs, franchement c'est trop trop bien, moi j'adore. Donc j'utilise beaucoup beaucoup ça pour habiller mon cours et pour l'organiser, pour que ça soit un peu plus beau visuellement et compréhensible. J'utilise aussi pour tout ce qui est les monthly plans, les semainiers, etc. parce que j'ai les Monday, Tuesday, etc. J'ai des petits stickers avec examen qu'on peut rajouter sur le planner mensuel. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de stickers qui peuvent vous aider à vous organiser et je trouve ça super bien. Et c'est assez sous-côté en soi les stickers, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Mais quand tu arrives vraiment à les utiliser
organiser convenablement, et bien ça peut vraiment t'aider visuellement parlant, parce que je suis très visuelle comme femme, c'est très important pour moi de voir ce qu'il y a comme examen à venir, comme rendez-vous, comme il y a même aussi les règles pour les femmes. Sinon, je fonctionne aussi beaucoup par carré, dans mes fiches en tout cas. Par exemple, avec ma fiche de mathématiques, j'ai fait beaucoup de carrés pour apporter un petit peu plus de contraste. J'ai passé un surligneur gris tout autour du carré pour que ça soit beaucoup plus joli visuellement. Alors quand t'imprimes, tu vois pas forcément, mais quand t'es sur l'iPad, ça se voit, c'est joli, ça donne envie d'apprendre, c'est clair, c'est net. Et donc moi, en tout cas, les carrés, ça a vraiment bien fonctionné, les schémas, etc. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour les gens qui ont une mémoire visuelle. Ça fonctionne très bien, les formes géométriques, enfin pour moi, c'est quelque chose de très important. Dans des cours, essayez de l'intégrer au fur et à mesure, peut-être ça peut vous aider. Ensuite, ce que j'utilise énormément avec mes amis qui ont aussi GoodNotes, notamment avec ma meilleure amie, on a ça, on se partage en fait les cours. Par exemple, pour mes fiches de droit, bah j'ai partagé mes fiches de droit à ma pote, donc comme ça, elle avait mes fiches de droit sur son iPad, et si je voulais modifier un truc, si j'écrivais un truc sur mon iPad, elle le voyait, et inversement. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai fait ça pour pas mal de cours, notamment les maths, parce que moi, j'étais en retard dans les maths, j'avais très peu de TD, elle avait tous les TD, du coup on se partageait en fait, au lieu de s'envoyer le fichier comme ça, bah on se le partageait comme ça, si elle a noté quelque chose en plus, je le voyais, j'étais signalée comme quoi elle avait rajouté un truc, et inversement, et ça c'est vraiment très très bien, je vous conseille, puis même aussi quand vous voulez discuter comme ça sur l'iPad, c'est ce qu'on faisait en amphi, on discutait sur l'iPad, genre j'écrivais sur mon iPad, donc elle le voyait sur son iPad, et c'était trop drôle, même pour faire des blagues c'est drôle aussi, avec des esprits c'est plutôt rigolo, mais en tout cas c'était vraiment plutôt pas mal et on arrive vraiment à se partager les cours comme ça très facilement. Donc moi, tout mon iPad était connecté à son iPad et inversement. Ouais, si vous avez des amis qui ont GoodNotes 5, vous pouvez partager vos dossiers, etc. Et c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai découvert la note rapide au coin du Mac ou au coin de l'iPad. C'est vraiment très bien ça parce que des fois, je veux noter des choses. Note soit comme ça sur mes cours alors que ça n'a rien à voir avec mes cours, soit je dois faire une autre feuille ou je vais dans Notes. Mais généralement, j'utilise jamais Notes d'iPad ou autre, j'utilise jamais. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un petit onglet au coin, hop, t'as juste à le faire comme ça, là, et ça apparaît. Je trouve ça vraiment bien pour mettre des liens. Par exemple, s'il y a un prof qui te parle de quelque chose, d'un livre à acheter, de tel truc sur tel site, bah au moins t'as juste à faire copier-coller et après tu as dans tes notes et après tu pourras l'incorporer à tes cours. C'est quelque chose vraiment à intégrer au fur et à mesure et pour tout ce qui est les liens, par exemple voilà, il y a le prof qui parle d'un truc qu'il a vu sur, je sais pas, une vidéo à regarder, et ben ton lien, tu fais un copier-coller, tu mets dans tes notes pour l'instant. Quand tu as le temps, bah tu l'intègres à tes cours, donc en intégrant à tes cours, je pense que vous savez rajouter un lien sur GoodNotes, je vous montrerai, je vous ferai une petite démonstration au cas où, mais voilà, vous pouvez rajouter des liens, et je trouve ça super bien, au moins, bah t'as les liens de toutes tes vidéos, de tous les sites sur ton cours directement. En tout cas, en droit, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de liens, avec Kern, etc., on avait beaucoup de sites où il fallait lire des choses. Donc, il y a aussi bientôt quelque chose qui va sortir, ça va être en automne, c'est la commande universelle. J'ai trop hâte de voir ça. En gros, vous pouvez mettre votre iPad et votre Mac à côté, voilà. J'essaie de vous mettre une petite vidéo de ce que j'ai vu. En gros, vous pouvez travailler sur les deux écrans. Alors que là, actuellement, on ne peut pas travailler sur les deux écrans. Ça veut dire que si je déplace ma souris de mon Mac à mon iPad, ça ne fonctionne pas. Alors que là, maintenant, ça va être possible. Je vais pouvoir transférer des fichiers, je vais pouvoir travailler sur mes deux écrans. Et je trouve ça génial. Après, je ne sais pas si ça va être compatible avec tous les Macs. Je ne pense pas avec le Mac, celui que j'ai actuellement, parce qu'il est un peu trop ancien. Ça fait 7 ans que je l'ai, donc je pense que ça ne va pas... Ça va pas se faire sur celui-là. Je pense que ça va être plus sur les nouveaux Mac. Je trouve ça vraiment génial. Donc si vous avez un iPad et un Mac, vous pouvez utiliser les deux en même temps, travailler les deux en même temps. Je trouve ça génial parce que le nombre de fois où bah, moi je travaille avec mon Mac, je travaille avec mon iPad, les deux en même temps, là on va pouvoir réunir bah, comme les ordis des geeks en fait. Hein. Vraiment, ça va être la même chose et j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser. Ensuite, pour Safari, il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est les onglets groupés. C'est sorti il y a quelques mois, je crois. Je l'ai découvert par hasard, c'est des onglets que tu, par exemple pour des exposés, pour des recherches, etc., des mémoires, vous pouvez regrouper toutes vos recherches dans un seul onglet. Je trouve ça plutôt pas mal, ça te crée un mini dossier en fait dans ton Safari. Au moins tu peux être beaucoup plus organisé dans tes recherches, etc., et tu perds pas tes liens. Donc avant, tu mettais juste en favori et basta, alors que là maintenant tu peux vraiment les regrouper dans un seul dossier et ça c'est vraiment très très bien. Ensuite pour ma prise de notes, bon ça c'est quelque chose d'assez universel aussi, les codes couleurs pour moi
moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Chaque chapitre a un code couleur, un nuancier, entre guillemets. Par exemple, chapitre 1, ça va être du vert, du coup, les nuances vont être dans le vert, après le violet. J'aime bien avoir plusieurs codes couleurs en fonction de chaque chapitre. Sinon, après, les définitions sont en vert, les mots importants en jaune. J'essaye que ça soit un minimum harmonieux. En fait, quand tu regardes mes cours, tu te dis waouh, ok, c'est tout beau et c'est compréhensible. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà, déjà pour ma prise de notes sur l'iPad. Pour tout ce qui est aussi organisation, j'utilise beaucoup des petits planeurs. Ça, je vous l'ai parlé dans ma dernière vidéo, j'utilise des planeurs comme ça, papier. Donc je vous laisserai aller voir ma vidéo juste avant. Et aussi, pour tout ce qui est livres, j'ai aussi des questions pour les livres. Les deux livres de droit que j'ai, on va montrer plutôt celui-là. Le droit des affaires, c'est quelque chose qui était assez chiant à apprendre, entre guillemets. Et en fait, j'ai des post-it, peut-être qu'on les verra mieux ici. J'ai des post-it comme ceci, c'est des post-it transparents là et ça te permet de catégoriser en fait. Ça c'est la partie 1, ça c'est la partie 2, ça c'est la partie 3 et en gros chaque post-it est un chapitre. Et comme ça tu peux mettre le nom du chapitre, donc vous voyez chapitre 1. Après là j'ai pas mis de post-it avec les mots importants dans ce cahier là. Je l'ai fait plutôt dans celui-ci avec les mots-clés, entre guillemets, des spécialisations, le loyer, etc. pour que j'arrive un petit peu mieux à me repérer. Parce que c'était vraiment assez dense comme chapitre, c'était vraiment beau, enfin, trop de notions. J'ai mis plein de post-it en fait pour essayer de mieux comprendre. Ça a vraiment bien fonctionné ça par contre. Et dans celui de cette année, du coup, j'ai pas fait ça, j'ai pas mis de post-it. Parce que voilà, je connaissais déjà le droit des contrats aussi, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Mais par exemple, j'annotais énormément. Donc je mettais des petits commentaires, des petites feuilles aussi, là, quand la prof rajoutait un truc, un exemple, donc je faisais ça. Et des fois aussi, elle faisait des schémas. Voilà, elle faisait des schémas. Et je viens de voir que j'avais mis des post-it, là. Mais ceux-là, ils ne tenaient pas, je les avais mis en fait en haut. Pour les différentes parties, partie 1, partie 2, partie 3, mais ça ne fonctionne pas, enfin ça n'a pas vraiment bien collé. Et sinon, sur le site de Shein, ou ça, je n'irai pas, vous avez les deux, hein. De toute façon, c'est le même fournisseur, vous avez aussi des post-it transparents. C'est super bien, j'en ai pas utilisé là parce que j'en avais pas sous la main à ce moment-là. Mais vous avez des post-it transparents, vous pouvez écrire, après vous pouvez les mettre dans le livre, et comme ça, vous voyez ce qu'il y a en dessous et vous pouvez voir aussi votre écriture. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour mon organisation. Pour ma prise de notes sur l'iPad. Donc voilà, j'ai un petit peu plus rajouté des stickers au fur et à mesure, même pour mes plannings, etc. J'ai rajouté pas mal de choses comme ça pour que ça soit un peu plus harmonieux visuellement, compréhensible et organisé. Si ça vous intéresse, vous avez des stickers à télécharger sur le site de Stationery Pal. Vous avez juste à acheter. En plus, vous avez mon code promo qui est de moins 18% jusqu'au 31 août. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, ça vous fait une réduction en plus. Et après, ça vous est envoyé par mail, vous êtes à le télécharger, le transférer sur GoodNotes. Franchement, c'est très très simple à faire. Donc voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!